Road Trip Fishing, acte 1. Salut à tous, je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui sur le bateau pour notre toute première vidéo sur la chaîne YouTube Road Trip Fishing. Donc aujourd'hui, pêche très simple, je vous emmène pêcher les perches. Donc les perches, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. On va pouvoir les pêcher avec une multitude de techniques, surtout à cette époque-là, l'été là. On va pouvoir les pêcher en top water, hauleur souple, carolina, spintail, crank. C'est vraiment, vraiment des pêches très ludiques et elles répondent bien à cette époque de l'année là. Donc aujourd'hui, pour la première vidéo, je vous emmène pêcher les perches. La première perche là, il y en a quelques-unes derrière. Bon, c'est pas un monstre, hein. Mais bon, pour commencer, c'est pas mal. Hop là, c'est décroché celle-là. Une belle petite perche. Pareil, hein, on n'est pas sur des on n'est pas sur des gros poissons, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on est là, hein, c'est pour prendre des touches. Donc c'est toujours un vrai bonheur là de prendre ces poissons au crank là. Après, au fur et à mesure, on va essayer de trier, on triera là au fur et à mesure de la journée, voir s'il n'y a pas des techniques qui marchent, qui permettent de prendre les plus grosses, soit pêcher avec des cranks plus gros ou leur soupe ou des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, pour prendre contact avec la pêche là, pour se donner un peu une idée de savoir comment sont positionnés les poissons, c'est pas parce qu'on voit des... Alors j'ai vu des belles hein, suivre tout à l'heure là, mais c'est pas parce qu'on prend les petites que les grosses y sont pas, hein. C'est peut-être tout simplement le leurre ou la technique qui fait qu'on prend que les petites en premier et qu'on a du mal à prendre les grosses. Après c'est pareil, on peut prendre les petites pendant quelques temps et une fois qu'on en aura enlevé quelques-unes du groupe là, les grosses peuvent monter chasser, hein. Ça c'est possible. Mais ce qui est très flagrant avec les perches, c'est qu'au fur et à mesure que tu en prends, tu arrives à... Voilà, on a exactement le cas. C'est qu'on arrive à mettre le groupe en activité et en fait, ça va les rendre de plus en plus folles, quoi. Donc ça va permettre aux plus jolis de venir s'énerver, enfin de monter chasser, quoi, en fait. Donc là, j'ai mis une petite épuisette à côté, enfin même une grosse épuisette, vous le voyez là, pour les mettre dedans, pas les relâcher sur le poste, que ça va... Ça peut bloquer les autres poissons là. Là par contre c'est plus joli. C'est carrément plus joli ça. Ça c'est beau. Ça c'est un poisson qui est plus correct. Alors est-ce que c'est une perche? Ça met des bons coups de boule. Peut-être un petit basse. Non, non, c'est une belle perche. Elle est suivie d'autres perches un peu plus grosses. Hein. C'est un peu l'américain de la mettre à l'épuisette. Hein. J'aime pas trop ça, mais bon. C'est pas de pas user le poste. Non, c'est un beau petit poisson ça. C'est sympa, ça commence à être intéressant. Faut juste pas en décrocher une et les prendre au fur et à mesure. Voilà, voilà. Là, c'est encore le même acabit que celle d'avant. Hein, on est encore sur un poisson correct là. Hein. Ouais, c'est sympa, c'est correct, c'est correct. Allez, viens là ma fifi. Hop là. Là voilà, c'est ces poissons là. Alors après, comme je vous dis, hein, on n'est pas sur des monstres, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir de prendre des perches comme ça là au leurre dur, de prendre des touches surtout, ça fait du bien. On est quand même sur une période où certaines pêches sont compliquées, donc faut pas se retirer tous ces plaisirs de la pêche là en plein été, là où on peut trouver des pêches très ludiques et intéressantes qu'on n'aura peut-être pas forcément l'occasion de pratiquer plus tard parce qu'on va pêcher les cendres ou les brocs ou des choses comme ça. L'essentiel, c'est d'aller à la pêche et de prendre des touches. C'est le but premier. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Après, évidemment,
quand c'est l'époque des gros poissons sur certains secteurs, bah oui, on va aller les pêcher, bien évidemment. Mais là, on sait que c'est très dur en ce moment. Il se prend pas énormément de poissons, les températures ont bien monté, donc vaut mieux aller se faire plaisir et pratiquer toutes ces petites pêches ludiques et intéressantes. Kitchen floor, it seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Voilà, donc là j'ai changé à décroché. Bon, ça c'est pas cool, ouais, décrocher le poisson sur le poste, il y en avait quand même pas mal derrière. Alors là j'ai changé de crank, je suis passé une taille au dessus, là je suis passé sur un 5 cm et sur un suspending, donc ça me permet de faire des pauses là et d'attendre, voilà, jusqu'à temps de prendre la touche, exactement comme là, elle a loupé celle-là. Exactement comme ce qui vient de se passer là, pouvoir faire bouger les poissons, les faire sortir de la bordure, là, d'herbier là, et puis faire des grandes pauses pour venir prendre les plus belles. Je pense qu'à mon avis, ça, il va avoir un truc à faire avec ça. Et là, la première touche que j'ai eue, ça s'est passé comme ça, en faisant une grande pause. Donc c'est juste dommage que je l'ai décroché parce que ça peut éventuellement foutre le Bronx. Bravo Rémi, je te félicite pas. Ah, belle, très belle, très belle perche. Ouais, très belle perche. C'est décroché dans l'épuisette celle-là. Ah, on a un beau poisson là, très beau poisson. Superbe, superbe poisson. Oh, c'est magnifique ces poissons là. Hein, c'est incroyable. Allez. Pareil, un petit freiner un coup là, et voilà, bon voilà. Et regardez, il y a un bass derrière, incroyable. Il y avait un bass juste derrière la perche. Un bass qui était correct, hein. Qui était super correct. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais ça valait des points quoi. Ça, c'est une très belle touche. Alors ça doit être très beau, ça met des très gros coups de tête. Ça peut être un bass, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, invité surprise. Bon, ce qui est bien avec ces pêches au crank, vous allez voir. Ah, j'ai même pas le... Je vais pas l'épuiser parce que je risquerais d'abîmer le poisson. Je vais les épuiser un maximum, c'est un petit broc. Hein. Voilà, l'invité mystère, l'invité surprise. Là, on a un petit brochet. Encore une fois, sur des petites cannes, là, je me répète, mais sur des petites cannes, c'est toujours un plaisir de prendre un poisson comme ça. Hop, allez, file mon loulou. Thank you.
Les crochets dans les fusettes. Ouais, ça c'est joli. C'est correct du moins, c'est des bons coups de boule. Oh là là, il y en a des belles derrière. Oh non. Non, non, non. Ah, erreur fatale, il y avait des beaux poissons derrière. Je sais pas si vous les avez vus à la caméra là. Je pense que oui. C'est des poissons corrects. Et là, le fait d'en avoir décroché une, je pense que ça peut coûter le truc là. Ça peut gâcher l'histoire. On va voir. Hein. Ah, c'était très correct celle-là. Il y avait, je sais pas, il y avait 3-4 poissons derrière là. On va repasser un coup leur souffle là. Ah, ah tiens. À peine lancé dedans. Bon bah c'est une toute petite. Hein. Une toute petite. Là je vais repasser sur les postes qu'on a fait ce matin. On a vu des poissons pas vilains là, et je vais essayer de passer un coup, changer un peu de technique, voir s'il n'y a pas moyen de les gratter un peu plus. Les belles là, qu'on n'a pas réussi à reprendre derrière, il n'y a pas de raison. Hein. Elles y sont, on les a vues. Elles doivent être par là de toute manière. Hein. Elles n'ont pas dû bouger. Bon là, il y avait une petite, donc peut-être qu'il y a des grosses avec. Alors pour leur soupe, hein, pareil, là je suis monté en... Hop là. Bon, c'est encore une toute petite. Incroyable ça. Incroyable. On va la coffrer. Hein. Ouais, donc leur soupe... Là j'ai mis un petit chat de 5 cm, un petit chat de tisse de 5 cm sur une tête plombée de 3 grammes. Vous voyez, hein, ça reste très très petit, hein, ça focalisé. Enfin, ça ressemble aux alevins que je vois là à peu près. Donc après très simple, vous jetez, jette dans la sur le dessus de la cassure là, le long des herbes sur la descente en gravier qu'il y a, et je prends contact avec le fond. Et puis après j'anime, je décolle un coup là et j'anime entre deux eaux, voilà, hop. J'anime entre deux eaux, je fais des petits tressautements, ça permet, c'est encore une toute petite, ça permet d'animer le leurre un peu, on va dire sèchement là entre deux eaux là. Et de temps en temps, pas hésiter à le poser sur le fond, des fois ça arrive que justement c'est pour les beaux poissons, elles le suivent, quand le leurre retombe sur le fond, vous faites une pause, vous regardez votre tresse là un peu, et des fois vous la voyez se tendre. Et c'est pas rare que c'est les belles qui font ça. Il doit bien avoir une ou deux belles qui doivent se promener avec là, ou elles sont peut-être juste à côté là, j'en sais rien. Allez. Ouais, c'est des petites. C'est des petites. Toutes les touches que je pense doivent être un banc de petites là. Et là je vais me décaler un petit peu. C'est toutes les mêmes. Toutes les mêmes tailles là, elles sont dans les alevins et puis. Elles s'en donnent à cœur joie. Ouf. Super touche. Oh non, ah si, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un bass. Je croyais que c'était dépiqué au début. Alors lui, il m'a mis un arrêt. Hop là, décroché. Tant mieux. Ouais, celui-là, il m'a mis un arrêt, mais un vrai. Hein. J'ai cru à la... au monstre de perche là. Incroyable action. Il s'est décroché. Il y en a un autre qui est arrivé qui a pris le leurre. C'est incroyable. Ah. Ben voilà. Un beau petit bass. Au crank. Superbe. Incroyable action. J'espère que vous allez le voir à la vidéo. Mais en fait, le poisson s'est décroché. Il y en avait un deuxième derrière. Quand il s'est décroché, quand il a commencé à remonter un peu là. L'autre, il est arrivé de dessous, il l'a pris. Un truc de ouf. On va décrocher ce poisson. Beau petit bass, c'est sympa. Allez, file. Bon. Eh ben, moi, je vais m'arrêter ici. Donc là, j'avais quelques heures de pêche. Donc là, voilà. Bon, ben,
va faire le point un peu sur cette, on va dire, cette grosse matinée. Enfin, cette matinée, c'était bien sympa. On a pris quand même une paire de poissons. Donc, on n'a pas réussi à prendre de grosses, grosses perches, mais il y a quand même des pavilènes dedans. Donc, c'est super intéressant. Un vrai bonheur là sur ces petites cannes avec des petits crancs. Là, c'est ces pêches d'été là où il fait beau, tout ça. Là, c'est un vrai bonheur de prendre des poissons tout au long de la journée. Donc, je vais vous expliquer un peu le principe, mais je pense que vous connaissez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Il y a des autres vidéos qui arrivent là, on est en train de faire 2-3 trucs, donc il y a des trucs qui vont être super intéressants. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir visionné la vidéo. Ciao.